Allez, Team USA qui descendent des travées de l'aréna du Champ de Mars pour... J'espère que ça va, je vous explique un petit peu là. Hier du coup, on avait des amis maintenant qui sont venus à la maison. Une amie elle de Dubaï. Donc on a fait une petite après-midi sympa, la piscine, tout ça. Donc eux, ils avaient des enfants qui ont le même âge que nos enfants, qui sont dans la même école que nos enfants. Donc c'est génial, les enfants, ils ont kiffé. Et nous, après, on s'est fait un petit apéro. Après, on a un petit peu fait la tournée des voisins, on est monté. On est descendu, on est allé, on est venu. Partie de pétanque par-ci, partie de pétanque par-là. Bref, le temps il est passé super vite. On est rentré, on devait faire un barbecue. Donc, je suis allé chercher du bois, je suis allé chercher tout ce qu'il fallait pour faire un barbecue. On est rentré 21h. J'avais plus trop envie de faire un barbecue. Du coup, on n'a jamais fait un barbecue. Maintenant, on avait fait un gigot d'agneau, un gigot de veau, je sais pas, un gigot. Qui a cuit pendant des heures et des heures. Au final, on l'a mangé, il était froid. Bref, c'était un carnage. Et du coup, bah, après, on a mangé, on a grignoté. Et parle. Je me suis couché à 5h du matin. Alors là, je vous explique. Il n'y a pas d'apéro qui tienne pendant une semaine. Jusqu'à vendredi. Je suis à l'eau et je vais faire du sport. Je vais aller courir. Je vais aller un peu transpirer là. Voilà. Et sinon, bah, du coup, je me suis un peu remis les JO là. Détente. Putain, les fratés, je suis deg. Je vais jamais m'en sortir avec mon pied. En fait, j'ai un problème, tu sais, à l'ongle. Et genre, ça fait un an. Et en fait, je viens à peine de comprendre que le traitement que je fais à l'ongle, si je le rate une semaine, je repars à zéro. Et c'est un traitement qui doit durer 6 mois. Donc pendant 6 mois, toutes les semaines, je dois jamais oublier de faire le traitement. C'est une dinguerie. Je m'en sors pas. Donc là, je vais faire mon petit traitement du pied. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, je sais pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça justement pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui a une solution plus rapide. Est-ce que vous êtes sûr que... Tu sais, quand il y a un... Attendez, je vous montre. Ça, là. Comment tu fais pour le soigner? C'est pas possible. Ça ne peut pas prendre que 6 mois. À l'aide. On se concentre, c'est la dernière partie, ok? Attaque, coléodome, à l'attaque. Coléodome à l'attaque. Allez, vas-y, contre-attaque, riposte, fais quelque chose là. Ok, j'envoie tout de suite sœur, parasol, dresseur qui va envoyer à l'attaque. Qui va envoyer Absol. J'envoie tout de suite. Non. Api. Non. Apiro. Non. Apiro. Non. Apiroïne. Non. Il me fait un coup fatal. Il gagne tout. Il m'a raflé. Le boss. Toutes les cartes que j'ai qui sont rares. Tu es vraiment un boss. Qu'est-ce qui se passe, papa? Moi, je suis un bi-boss. Il faut toujours avoir peur de moi dans les cartes de Pokémon. Ah ouais, t'es une big boss, toi. Eh ben, les fratés, comme ma grande habitude, je suis parti faire quelques courses. J'ai chargé en eau. Voilà, je dis la vérité, là, j'ai chargé en eau. Là, j'ai très chaud en ce moment. On a très soif d'eau. On charge en eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, du Perrier, de l'eau, de l'eau. Des courses, des courses. Par contre, je suis en train d'écraser toutes les courses là. Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Mais toi, tu manges pas comme nous. Alors, dis-nous un peu ce qui se passe. Et toi, tu manges tes ravioles. Puis nous, on va manger un peu de légumes, ça va faire du bien. Donc ça sera un tout petit peu de riz sur les tagliatelles de courgettes.
Des quoi? Des tagliatelles de courgettes. Tagliatelles, des pâtes. Là, c'est des courgettes. Et pourquoi tu appelles ça des tagliatelles de courgettes? Là, parce que c'est une forme de tagliatelle. Ah, mais c'est toi qui as inventé ça ou ça existe vraiment? Ça existe vraiment. Des pâtes aux tagliatelles de courgettes, par exemple. Ah, ça, c'est la bonne viande que je suis allé acheter. Que tu n'aimes pas, toi? Bah, si, je m'en suis plus pour moi. Tu n'aimes pas les bavettes? Ah, ouais? Elle avait l'air bonne sur la photo, fais voir, montre-moi la photo. Très bonne. Elle a l'air bonne sur la photo. Pourquoi très cher? Celle-là, ça va, mais celle-là, 12,90€, c'est le steak. Ah merde, je me suis fait avoir. Non, mais c'est qu'ils doivent être plus gros. Pourquoi il y en a un 9 et il y en a un 12? Ah, c'est au poids. Parle là-bas, pas de ça, s'il te plaît. C'est au poids, bébé, on s'est pas fait avoir. Je trouve ça cher, mais moi, c'est pas que c'est cher, quoi. Bon, donc moi, du coup, je mange des ravioles avec une bavette. Et vous, mangez du riz? Bah oui. Et je l'ai acheté moi aussi, j'en veux, pourquoi? Tu t'en veux pas. Et donc? Bah, t'as changé des habitudes. Tu es énervé? Qu'est-ce que tu veux? Attends, tu es énervé ou pas? Tu m'as mis encore un filtre? Non, parce que j'ai reçu plein de commentaires. Jure qui me disent que... Jure que tu m'as mis un filtre. Je t'ai mis ton filtre que tu aimes, toi. Jure-le. Je te le jure. En 2003. Je te le jure. C'est juste que j'ai reçu plein de commentaires parce que quand je te parle pour la cuisine, tu es énervé. T'es énervé ou t'es pas énervé? Juste avant, j'étais un peu énervé, ouais. Ah, pourquoi? Pour deux raisons. T'as laissé la fenêtre ouverte de la salle de bain et on se fait piquer avec Bubu et on vient après elle saigne. Et parce que tu n'as pas essuyé le sol et que c'est moi qui ai dû tout essuyer après toi. Ah, c'est Thiago qui l'a fait, Petronette, tu vois. Toi, t'es le père, t'es le fils. Du coup, c'est pas grave, si c'est Thiago, c'est bon, c'est pareil, c'est ça. T'étais avec nous sur la douche. Donc c'est moi, c'est ta responsabilité de dire à Thiago d'essuyer derrière nous. Je suis un peu le bouc émissaire, moi. Allez, file, Joran. File. Mais moi, je suis un bon bouc émissaire aussi. Hein. Ah bon? Pourquoi? Quoi? Dès que t'as un moment de stress... Allez, Calimero. Pas sur maman. Calimero, file, Joran, le soir à la perche. Blague. Calimero, file. Sur moi, là. Calimero, file. Il y a mon soir à la perche.